Ange, je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne, particulièrement pour toutes nos futures mariées. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Vous êtes sur ma chaîne Tiffany Pearsons. J'adore tout ce qui est beauté, maquillage, etc. Je vous fais partager aussi plein d'autres choses sur ma chaîne. Mais particulièrement aujourd'hui, je suis très très heureuse parce que c'est un tuto maquillage qui me tient à cœur. Parce que c'est pas un tuto simple. Pour moi, le mariage, c'est quelque chose de sacré et quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour moi également, le mariage, c'est pas la grande robe. C'est pas la grande fête. Désolée si je déçois certains. Mais pour moi, c'est vraiment m'unir à la personne que j'aime, que je chéris de tout mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Traverser toutes les étapes de la vie, vieillir avec elle et porter son nom, porter une alliance et les promesses, les engagements que vous faites entre vous et l'autre personne. Le mariage, voilà, est quelque chose de magique, d'extraordinaire. Principalement dans la signification et pas dans tout le tralala et les paillettes. En attendant, on a quand même envie d'être sous notre plus bel aspect, notre plus beau jour, et c'est pour ça que j'ai fait ce tuto, parce que pas tout le monde ne sait se maquiller, pas tout le monde peut se permettre de s'offrir une maquilleuse professionnelle. Mon tuto est dédié du coup aux femmes, jeunes ou moins jeunes, qui vont se marier, qui vont réaliser ce pas, cet acte plus que symbolique et qui veulent être particulièrement mises en beauté. Et en fait, même si c'est toutes des mariées et des styles différents, il y a quand même une base qui s'y retrouve. C'est quelque chose d'assez naturel, vous n'êtes pas en train d'aller en soirée, en club, à faire la fête un jour de l'an, vous êtes là pour être un petit peu romantique, douce, quand même inspirer l'amour et la tendresse. Donc il y a des choses que je veux vous conseiller, des choses que je vais vous déconseiller. En tout cas, voilà, ça c'est une base. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage, mes trucs et astuces, restez connectés. Déjà, pour commencer, avant toute chose, je vous conseille des mois et des mois à l'avance, autant que vous pouvez, d'avoir une bonne routine beauté, hygiène de peau. Parce qu'un beau maquillage ne se fera pas sur une peau dégueulasse. Désolée des termes, de casser un petit peu. Trouvez aussi votre rythme et vos produits qui vous vont bien, qui vous conviennent, qui vous ne créent pas d'allergie, de poussée de boutons, parce que ce jour-là, on est stressé, et déjà qu'on va peut-être avoir des boutons de stress, pour peu que vous ayez bon, gna gna, on va éviter la catastrophe. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous pouvez aussi faire des soins chez l'esthéticienne, mais les derniers soins que vous faites chez l'esthéticienne, c'est au moins 3 à 15 jours avant votre mariage. À la limite, avec vos produits chez vous, faites toujours des masques hydratants, toujours des gommages, surtout sur les lèvres, parce qu'on veut des jolies lèvres, on veut que le rouge à lèvres tienne longtemps. Autre chose que je vous conseille de faire, c'est 15 jours avant votre mariage, de prendre une grande bouteille d'eau et de presser 2 citrons bio et de boire tout au long de la journée. Le citron a une faculté à bien détoxer et détoxifier votre foie, et votre foie va étant plus pur, plus lavé et en meilleure santé, votre peau va s'en ressentir. Vous allez avoir une bien plus jolie peau. Il faut avoir essayé ce maquillage au moins une ou deux fois avant de vous maquiller pour être sûr de le maîtriser. Ensuite, il vous faut au moins une bonne heure et demie. Pourquoi? Parce que vous ne les aurez jamais, les heures et les heures et demie. Vous allez essayer de les bloquer, l'heure et l'heure et demie, mais vous ne les aurez pas. Il y aura toujours la grand-mère et tonton Gégé qui vont vous demander des trucs de dernière minute. Donc ça, c'est important que vous essayez de vous bloquer une heure et demie pour avoir le maximum de temps et pas faire votre maquillage sur le rush. Ce que je vous conseille à mettre comme produit, c'est d'abord bien sûr de vous nettoyer votre visage avec votre nettoyant habituel, de mettre votre sérum, de mettre votre crème. Je vous conseille ces petites ampoules coup d'éclat que moi j'ai connu justement le jour de mon mariage, qui va vous donner un véritable coup d'éclat, et de faire votre maquillage vraiment dans la demi-heure qui suit. En tant que crème contour des yeux, cette crème de chez MAC, c'est donc crème instantanée pour les yeux. D'abord, c'est une bonne crème pour le contour des yeux de tous les jours, mais elle est particulièrement bien étudiée pour ensuite faire le maquillage. Ce que vous pouvez faire, c'est d'abord faire le maquillage des yeux. Comme ça, si ça tombe, ben vous mettez une
lingette démaquillante. Mais si vous avez fait votre crème, etc., c'est un petit peu embêtant de tout enlever. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre aussi des petits patchs sous les yeux. En plus de vous protéger contre les chutes, ils vont hydrater votre contour de l'œil. Votre fond de teint, mettez votre fond de teint habituel, surtout la teinte de votre peau ou une teinte légèrement dessus, jamais au-dessus, parce que sinon, elle va vous vieillir. Et surtout qu'il n'y ait pas de SPF, c'est-à-dire donc de protection solaire, parce que la protection solaire dans le fond de teint, dès qu'il y a un flash, ça ressort blanc. Donc je pense pas que c'est la journée où vous allez être la plus photographiée de votre vie. Je pense pas que vous ayez envie d'être blanche sur les photos. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le fond de teint que vous auriez souhaité et que le fond de teint que vous utilisez tous les jours ne vous convient pas pour le jour J, et ben ce que vous faites, c'est que vous allez un peu chez Sephora, un peu chez Marionneau, vous demandez des échantillons, comme ça vous testez les couleurs, vous testez les textures, et puis vous en faites un ou deux, et puis comme ça, le jour J, vous utilisez le fameux fond de teint que vous aurez désiré d'une marque ou autre que vous n'auriez pas pu vous acheter. Ensuite, il vous faut quand même 2-3 bons produits. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une meilleure tenue, parce qu'ils ont un meilleur rendu. Maintenant, vous pouvez tout aussi bien faire avec des pinceaux et des ustensiles similaires, et des fards à paupières et des produits similaires. Si vous devez acheter, utiliser qu'un seul pinceau, prenez le MAC 217. Bien sûr, l'idéal est d'en avoir plus que ça, puisqu'on ne fait pas tout avec un seul pinceau, dans le sens où des fois c'est mieux d'avoir une autre forme. Mais celui-là vous permettra de faire énormément de choses. Il vous permettra de poser de la matière, de blender, de mélanger. Il vous permettra aussi, parce qu'il peut être un peu fin, de faire des choses précises. Donc vraiment, si vous devez en acheter qu'un, parce que vous ne pouvez pas en acheter 36 000, le 217 de chez MAC. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon tuto. Il est un peu long, mais c'est normal parce que là, je vous explique tout en détail. Je ne peux pas me permettre de skipper, de sauter des étapes parce qu'il faut que vous sachiez, tout. Sinon, c'est pas du jeu. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse découvrir et je vous fais de gros bisous. Eh bien écoutez, commençons pour ce jour extraordinaire, ce jour qui sera inoubliable. Donc je suis contente d'être avec vous et de partager ce moment avec moi. Surtout, ne prenez pas de risques ce jour-là. Faites les choses dont vous avez l'habitude, que vous avez testé depuis des mois. Ce n'est pas le jour à essayer quoi que ce soit de nouveau, ni en termes de technique, ni en termes de produits. Non. Après avoir bien préparé votre peau, ce qu'il faut... Une étape à ne absolument pas oublier, et certainement pas le jour de votre mariage, mettre une base qui correspond à votre type de peau. Si vous avez la peau sèche, donc une base hydratante. Si vous avez pour la grasse, une base matifiante qui va faire que votre fond de teint et votre maquillage va durer. Matifier la zone T et surtout un petit peu les pores de chez NYX. Hydra Touch, c'est un petit gel fraîcheur, c'est un primer, donc une base qui va vous permettre, voilà. Première option, si vous voulez devenir un peu plus glamour, vous rajoutez, moi c'est ce que j'adore, chez By Terry, j'en ai parlé dans mon Insta Story, de chez By Terry, c'est une base de teint rosé, irisé. Moi, comme j'aime le côté irisé, voilà. Donc ce n'est pas une étape obligatoire, mais comme ça je vous donne toutes les possibilités. Vous avez deux options pour appliquer votre fond de teint, c'est selon comment vous aimez. Moi je vous conseille, si vous n'êtes pas pro ou quoi, plutôt une Beauty Blender, et surtout celle-là, la Blend Tech de chez Real Techniques, qui se trouve chez Monoprix. Il faut qu'il y ait vraiment le RT de Real Techniques pour que ça soit la vraie. Parce que voilà, on a le choix, on a le droit, c'est notre journée, on fait ce qu'on veut. Donc, tout fond de teint, je vous conseille de le secouer. Des fois, il y a de la nacre, des fois, il y a de l'huile. Et moi, je vais mettre 2 pompes. Hop. Le cou. Même un peu les oreilles, mais vous pouvez en mettre encore si vous voulez plus de couvrance. Alors, pour mon anti-cerne, je prends le Tarte Maracuja Creaseless Concealer
parce que, en couleur d'aillearlight sand de chez Tarte, je trouve que c'est celui qui tient le mieux, donne beaucoup d'éclat en dessous de l'œil et qui part pas dans les petites ridules, etc. Je vais en prendre un peu, comme ça. Moi, ce que j'aime bien, parce qu'il y a de l'huile dedans, je le réchauffe et du coup, il devient beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Je le mets comme ça. Et en fait, je vais le descendre en V. Et je vais même monter au-dessus. Parce que vous voulez que votre regard remonte ce jour-là. Alors, j'aime bien le travailler au doigt. Parce que le doigt, il y a de la chaleur. Ça fait fondre les petites particules d'huile. Et donc, on peut bien le travailler. Avec ce qui nous reste, je vais faire là, 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 un peu là et là. On ne déplace pas la matière, on la tapote, on la fond au fond de teint. Pour ouvrir votre regard. Là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Et là, maintenant, on va venir d'abord par l'extérieur. On le travaille. Là, ça va être la clé. Là, ça va être la clé de vraiment avoir le maquillage qui tient. Je travaille aussi à l'intérieur. Parce que c'est là qu'on va porter de la lumière. On va laisser tout ça poser. Soit vous prenez une base à paupières pour préparer tout le travail des fards à paupières. Moi, celui que j'aime bien, c'est le Bare Study Paint Pot de chez MAC. C'est un rosé nacré très joli pour les mariés. Ou alors, système D, votre anti-cerne. Avec un pinceau, n'importe lequel, celui-là, il est plat, il est dense, c'est bien. Je poudre à peine avec de la poudre translucide. Si vous n'en avez pas, vous faites avec votre poudre compacte ou votre poudre libre pour que les fards à paupières puisse glisser. Donc ce qu'on va faire, vous avez deux options. Prenez votre poudre compacte ou libre. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau dense. Vous voyez un pinceau dense comme c'est. Avec un pinceau fluffy, donc beaucoup plus libre, pour faire un truc beaucoup plus airbrushed, comme on dit. Ou avec votre beauty blender pour faire un truc très couvrant. Je vais faire un mélange des deux de ça. Je vais prendre ma poudre de chez Lancôme. C'est une vieille poudre, c'est pas la peine que je vous la montre. Elle est même plus en vente, mais j'en mets tellement peu que ça dure à la vie des rats, les poudres. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute ma zone T avec le pinceau dense pour vraiment sceller. Avec un pinceau un peu plus fluffy, je fais le reste du visage. On va passer à une étape importante. Donc deux options s'offrent à vous. Soit vous faites d'abord les yeux, ce que je vous conseille. Ensuite, vous passez une linge démaquillante pour tout enlever. Vous mettez votre crème. Dans le cas où vous avez fait votre teint et que vous voulez faire du baking, et surtout pour deux raisons. Pour protéger les chutes. Et deuxièmement, si vous avez fait d'abord vos yeux, et que maintenant vous faites votre teint, vous n'avez pas besoin de faire du baking ici, hormis si vous maîtrisez et que vous voulez vraiment que votre anti-cerne tienne bien, que vous n'êtes pas trop ridulé, que ce n'est pas parti dans les stries. Donc dans ce cas-là, faites-le, c'est très conseillé, ça donnera encore plus de luminosité à votre dessous d'yeux. Beauty Blender, Blend Tech de chez Real Techniques, un spray fixateur, quel qu'il soit. Si vous n'en avez pas, vous prenez une eau, genre un spray, une brume minéralisée. Hein, Evian, Vittel, pas d'eau de source, plus minéralisée. Je prends ce côté-là, je mets quelques sprays. J'y vais les filles. La poudre transparente, translucide. Et là, attention. Que
C'est ici qu'on s'appuie, on va faire la bise. D'abord on en met un peu, et après on en met beaucoup. C'est que, en plus de fixer mon anticerne, je vais définir aussi ici la ligne que je ne voudrais pas dépasser lors de la pose de mon fard à paupières. Alors on va commencer par une couleur neutre. On va prendre cette couleur pour la couleur de transition avec un pinceau un peu fluffy, mais vous pouvez tout aussi bien prendre le 217 de chez MAC. Donc vous avez la paupière mobile, la paupière fixe, entre les deux vous avez un creux et c'est là qu'on va le passer. On va faire des petits gestes. Et on peut faire des tout petits ronds pour un peu l'étaler. Avec la même couleur, maintenant on va insister un tout petit peu plus sur le coin. Surtout n'hésitez pas à ouvrir vos yeux pour pouvoir bien le mettre. J'ai envie de prendre cette couleur parce que je la trouve un petit peu plus chaude. Un peu neutre, qui peut aller à beaucoup de tons. Tapoter. Là, je vais le mettre un peu plus en dessous. En fait, on va commencer à faire le travail. Là. Si je devais grossir mon mouvement, je fais comme ça. Alors, avec un crayon marron, je vais juste tracer un peu la base de manière assez... Franchement, assez cool. Hein. On ne veut pas un truc super net, je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être une base qui va nous servir pour appliquer le fard à paupières. J'ai envie de prendre... Mais c'est quoi la couleur ? Soda Pop. Ça, c'est Central Park. Par rapport à Friends. Soda Pop. Donc là, je prends un pinceau un peu rond. Et j'en mets dans le coin. Et une fois que j'ai pratiquement déposé tout le produit, ce que j'ai à la base, là, comme crayon, ben je le smudge, ça veut dire je le fonds. Je vais prendre cette jolie couleur rosée nacrée légèrement pailletée parce qu'attendez, si on met pas un petit peu de paillettes, de strass, d'irisé là-dedans, on met plus rien. Je le prends avec le doigt, tout simplement. Joli, hein. Et je vais mettre sur la paupière mobile. La couleur que je vous conseille absolument, c'est Embarque de chez MAC. Donc on va reprendre on va reprendre un pinceau fluffy, mais le moins fluffy des deux. Je vais prendre un peu de cette couleur, donc je tapote l'excédent, j'en remets, je tapote l'excédent, et avec ça c'est là que toute la magie arrive. Je prends le coin, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait encore l'autre, mais c'est pas grave. Je prends le coin. Et là, je vais smudger. Oh putain, je fais les pigmentés, attention, elle ne vole pas. Je vais d'abord déposer. Et après, je smudge un peu là. Je dépose. Dans le coin où on a mis le marron là. Je dépose d'abord là. Vous voyez comme je dépose. Et hop, j'amène tout doucement, à peu près à un tiers, la couleur là. Je la tire vers l'extérieur. Je la monte un peu parce qu'on a tendance à rester là, mais il faut la monter, sinon ça va fermer votre œil. Elle a deux superbes couleurs illuminatrices. Alors, un petit pinceau plat carré. Je veux plus rien. Je le mets sur l'arcade sourcilière ici. Purée, ça envoie du lourd, hein. Avec un autre pinceau plat carré, la couleur que j'ai là, je l'estompe,
mais elle sera concentrée ici et dégradée. Je vais faire la même chose à l'intérieur de mon œil. Et je l'étire légèrement dans l'œil. Pinceau fluffy. Le Dallas de chez Benefit, parce que je le trouve un petit peu neutre, un petit peu froid. C'est fourni avec le truc d'ailleurs. Ben, hein, on va aller dans la simplicité. Je vais venir récupérer aussi. On tapote l'excédent, toujours. Vous avez votre os, vous avez le creux, vous avez ici la démarcation de vos cheveux, le début de l'oreille. Vous faites ça. Attention de ne pas descendre au tiers de votre... Hop, on va mettre ça comme ça, parce que j'avais un spot dans la gueule. Si vous avez un petit front, si vous avez des petites tempes, ne le faites pas. Dior Nude Skin Tan. Parce que il est fourni avec un petit pinceau et vraiment il a une couleur, c'est pas un fard à jour, c'est pas un bronzer, c'est pas un contouring, mais il va nous permettre de réchauffer. On pose la matière, on fait des petits cercles pour éviter, pour enlever ça et pour chauffer le teint. On le monte jusqu'à la tempe, on va même le faire là, et là ici par contre on va plutôt faire comme ça. Il faudrait un pinceau plat carré. Si vous n'avez pas, vous refaites le coup du crayon et tout doucement vous estompez. Je le connecte au coin. Et je viens aux deux tiers. Hop, avec le pinceau avec lequel j'ai mis le marron. Je le frotte pour bien enlever le marron. Bon, de toute façon, on a un crayon marron, mais... pour enlever quand même, parce que on veut que ça soit doux. Je reprends la couleur Embark, c'est ce fameux marron avec un ton mauve chaud, très très joli. Et en plus il est légèrement grisé, il est très joli, je vous conseille même dans votre collection quoi. On va smudger, on part du coin pour déposer d'abord le plus de matière là. Je détaille exactement hein, tout ce que je fais. D'habitude, je fais moins dans mes tutos, mais là, on ne peut pas se louper. Et du bout du pinceau, parce que je le fais pour pas que vous achetiez non plus 36 000 pinceaux, si vous pouvez avoir plutôt, effectivement, un pinceau un petit peu pointu, comme ça, pour se dire, c'est l'idéal. Mais on va faire ça. Hein, ce qu'on va faire, un petit peu irisé, un petit peu satiné, peut-être pas autant, bon, mais là, un petit peu blanche, un petit peu nacré. Et vous venez les mettre en dessous, ici. Ça va faire un contraste avec ce que vous avez déposé. Ça va être le ton. Ça va être le ton du ton. Bien sûr, vous l'estompez bien. Deux options s'offrent à vous. Soit à l'intérieur vous mettez du crayon noir, du crayon marron. Donc moi je vous conseille du crayon marron. Mais ce que je vous conseille par-dessus tout, parce que là vous voyez, mon œil est intense, c'est plutôt un crayon rosé, beige, nacré, pas blanc. Parce que blanc c'est... Depuis quand la muqueuse est blanche, on le sait. En haut aussi, ça va ouvrir votre regard. Ok, donc on va faire un peu de blush. Un blush que je vous conseille. Alors là, les blushs qui va à toutes les peaux, toutes les carnations, tous les teints, je vous assure. C'est de chez MAC, c'est le Melba. Vous en prenez. Même s'ils sont très pigmentés, là c'est la journée où vous allez faire la bise et tout, ils vont s'estomper. Faire ça. On va poser. Et on va tirer vers le haut. On va prendre Dent de Lion. C'est un petit highlight très léger. Comme ça, je vais vous montrer toutes les options. Je prends un pinceau un petit peu rond, un petit peu carré, un petit peu plat. Hop. Et je le monte jusqu'ici. J'ai pas encore fait mes sourcils. Et c'est fait pour, parce que là, j'illumine tout ça. Et si vous voulez encore plus accentuer, vous prenez... Alors moi, c'est le pareil que je vous conseille, qui va à toutes les peaux, toutes les carnations. C'est le Soft and Gentle de chez MAC. Un petit pinceau, on fait ça, on tape, on pose la matière et on l'étale.
Si vous voulez intensifier, vous pouvez même le mettre avec un beauty blender. Moi, je trouve qu'après, ça fait trop, c'est personnel, mais c'est américaine, elles font ça. Non, pas trop. Et moi, ce que je vais faire, ce que j'aime bien, c'est le mettre sur le Cupid's Bow. Vous brossez d'avant en arrière. Pourquoi ? Pour décoller un peu les cils qui étaient sur le point de tomber, pour enlever bien la poussière, le fond de teint et tout ça. Je prends le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills parce que j'aime bien, parce qu'on peut bien faire un truc précis. Et je comble les manques. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez quelque chose de plus naturel. Ce que je vous conseille déjà, c'est d'aller chez une esthéticienne, de la tester déjà 6 mois avant, voir comment ça repousse, si vous aimez bien votre forme. S'il y a des manques, elle vous dira là où il faut faire repousser. Je vous conseille, moi, l'Instant Beauté par Ludivine, Grand Rue, dans le 13e à Marseille. Chaque fois que j'envoie des filles, elles me disent « Mais on dirait qu'elle m'a rajouté des sourcils. » Elle a une façon de vous les tailler. C'est un truc de fou. Moi, je ne vais que chez elle. Et de temps en temps, j'enlève 3 poils. D'ailleurs, là, j'en ai 2. Sauf que là, elle est fermée. Parce du confinement. Bref. Voilà. Pourquoi j'aime bien l'imprimisateur ? Parce que ça envoie vraiment des mini particules. Oui, d'accord. Et mais c'est de chez Morphy. Donc, plutôt prendre du coup Morphy International. Il livre en France, il y a Morphy France. Mais voilà, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'argent, une autre option, c'est un brumisateur de chez Evian, chez Vittel. Toujours minéralisé, pas aux deux sources. Plus minéralisé, plus meilleur. Plus meilleur, bon, vous me suivez. Et sinon, vous avez le Fix Plus de chez MAC qui est très bien, qui est un petit peu plus dur à maîtriser parce qu'en fait, il vous envoie des petits splatchs comme ça. Donc, je vais faire un petit mix des deux parce qu'il faut que ça tienne. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis l'animal et tout parce que pour l'instant, on veut que ça tienne. Alors, et on insiste là. Une croix, un X, et là. Et on sèche. On bouge pas. On reste. Je vais rajouter une petite brume. Sèche. Votre rimmel, quel qu'il soit, moi personnellement, je conseille pas franchement un waterproof parce que la manière dont on va le fixer, on va rajouter encore un peu de fixateur. Donc là, c'est le Yes They Are Real, I think, de chez Benefit. Alors, vous partez de la base. Vous faites des zigzagous, des zigzagous, des zigzagous. Vous les attrapez bien les uns les autres. Vous en les... vous les laissez pas s'échapper. Hein. Le Dior Show New Look. Vous voyez comme il est, ça brosse. Pour faire les cils du bas, je fais ça. Et je fais les cils du bas. On va remettre une deuxième couche. Que vous mettiez des faux cils ou pas. Sur la paupière, sur les cils du dessus. Une poudre au mieux translucide, ça serait le top. Sinon, une poudre libre, plutôt claire, hein, bien sûr. Vous tapotez. Et vous allez en mettre derrière, comme ça. Elle est translucide, donc d'une part, elle est un peu transparente. Elle va paraître blanche au départ, mais ensuite elle va s'estomper. Je le donne ça dans un de mes trucs et astuces. Et en fait, elle va être absorbée après par le mascara. Et surtout, elle va faire une barrière entre votre paupière et votre mascara. Ce qui fait que même si vous pleurez, qu'il fait chaud, etc., vous allez danser, vous n'allez pas vous retrouver avec du noir au-dessus. Et si vous voulez, vous pouvez même... Là, on estompe quand même. Enfin, on tapote bien pour pas... Hein, et on en met juste un petit peu. En plus, ça éclaire aussi le dessous et ça protège. Moi, je vais mettre l'encre à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en couleur Dolce. Avant que ça soit sec, avec votre doigt, un petit peu d'highlighter. Dernière fixation. Les yeux. Attention, il faut vraiment sécher. Voilà, dernière étape ultime, et ben les faux cils, les girls. Une petite technique en plus que je peux vous donner que j'avais pas donné sur mon
tuto fossile, pose fossile facile, c'est si vous n'arrivez pas à les mettre, vous pouvez aussi mettre la colle, si vous avez une colle avec un pinceau comme ça. Vous prenez la colle, et vous la mettez à la base et ensuite vous mettez vos fossiles. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez trouvé des astuces, des combines, j'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère surtout que ça va pouvoir vous aider à peut-être vous orienter vers quelque chose que vous aimeriez faire ou alors carrément le refaire. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui peut aller à beaucoup de tons, à beaucoup de tons de peau, de couleurs de yeux. Et il n'est pas très compliqué, il va mettre en valeur vos yeux, votre teint, il va tenir. Et vraiment, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite du fond du cœur le plus grand des bonheurs. J'espère que cette journée sera inoubliable, que cette journée de mariage sera mémorable et à la hauteur et même au-delà de tous vos rêves. Mais par-dessus tout, j'espère que votre mariage, votre vie maritale sera au-delà de tous vos rêves. Je vous le souhaite du fond du cœur parce que pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Je vous embrasse tous très fort. Je vous fais plein de très très gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Félicitations!